Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour l'horoscope des scorpions pour le mois de février en signe solaire, lunaire et ascendant. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés et un grand merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à aller voir vos signes correspondants et ainsi que le signe de votre cher et tendre. Je le rappelle, c'est du général, donc vraiment faites preuve de discernement. Si vous désirez une guidance personnalisée et individuelle, sous la barre d'information, vous retrouverez mon adresse mail. On va commencer avec l'oracle des conseils angéliques. On vous parle de la loi de l'attraction. On vous dit, visualise-toi en train de recevoir. Y aurait-il une surprise qui vous attend? On vous dit, vous attirez à vous ce que vous vibrez. Donc, espérez le meilleur pour vous. On va prendre un message de l'oracle des sirènes et des dauphins. Scorpion. On vous parle de guérison paternelle. Donc là, il y a un poids familial qui va se libérer. Votre pouvoir personnel augmente quand vous remettez au ciel, pardon, tous les problèmes liés au père. Donc là, il y a quelque chose, il y a une mise au point à faire par rapport à un père. Ok. On va voir au niveau de votre âme, qu'est-ce qu'elle a à vous dire, qu'est-ce que vous avez à travailler durant ce mois de février, Scorpion. Alors, on vous parle des signes de la vie. On vous dit que vous êtes guidé, que vous recevez beaucoup d'informations de vos guides de l'univers. Donc soyez vraiment attentif aux signes de la vie. Votre intuition va être également assez développée. Vous allez, j'ai envie de vous dire vraiment, laissez-vous porter, laissez-vous guider. On va voir au niveau de la libération énergétique. Bon, on vous parle bien, là, il y a une belle guérison, hein. Vous vous détachez d'un poids familial, d'un karma familial, et notamment par rapport à une figure paternelle, hein. Il y avait peut-être voilà, une mise au point nécessaire pour votre épanouissement. On va voir au niveau émotionnel, Scorpion. On vous parle de l'attraction des opposés. On vous dit que grâce à cette loi d'attraction, grâce à ce que vous vibrez, grâce à vos pensées qui sont créatrices, vous allez attirer à vous, j'ai envie de dire, l'être aimé. Vous allez dégager beaucoup de charme, beaucoup de charisme, beaucoup de magnétisme. Vous allez être très séduisant, très séduisante. On vous parle bien d'une rencontre passionnelle. Ok. Bon, eh bien, les scorpions, ça va être chaud. Allez, maintenant, on va aller voir au niveau des énergies générales. Donc, on va prendre deux oracles. On va commencer avec l'oracle E. Scorpion. Ah ben, on vous dit, hein. Vous pouvez voir grand, miser tout, jouer au loto. Voilà, vraiment concentrez-vous sur votre but, sur votre rêve ou vos rêves. Bon, on vous dit, allô, j'écoute. On vous parle de communication, communication intérieure, mais également d'une communication qui va vous mettre en joie. Et on vous dit que vos espoirs vont être fondés. On va prendre l'oracle Madeline.
Scorpion, au niveau des énergies générales pour février, on vous parle du retard. Donc il y a peut-être quelque chose que vous attendiez qui tardait à arriver. Bon, on vous parle de triomphe, de laurier et de réussite. Donc on vous dit là, il y a quelque chose qui prend fin, une attente, quelque chose qui se débloque. On va prendre le petit Béline pour voir au niveau général. Scorpion, février. Alors, on vous parle de commerce, on vous parle d'échange, de beaucoup de communication. Votre travail va être très important. Bon, on vous dit qu'il pourrait y avoir des conflits, des ennuis au niveau de votre profession. Pourtant, quand même, hein, ne l'oubliez pas, malgré un retard, hein, peut-être dans des papiers, dans une rentrée d'argent, vous avez la réussite. Donc, malgré des blocages, malgré des retards, oui, puisque juste derrière, hein, vous avez la paix. Donc, vous allez retrouver la sérénité malgré peut-être voilà, quelques difficultés. Ouais, on vous parle de stérilité, hein, de choses qui tardent. Mais pour moi, je le ressens vraiment au niveau administratif, professionnel. Allez, une petite dernière. Bon, on vous dit, hein, vous attirez beaucoup de jalousie. Quelque part là, ce qui va arriver dans votre vie, cette réussite, en fait, va déranger quand même pas mal de personnes. Donc, attention à qui vous parlez, attention à qui vous, avec qui vous faites des projets, les scorpions. Allez, on va aller voir au niveau sentimental. On vous parle du libre arbitre. On vous dit que vous allez devoir faire un choix. Alors, on vous dit que il se peut qu'il y ait une différence d'âge avec cette personne. On vous parle de l'été. Alors, ça peut être également une atmosphère chaleureuse. Et on vous parle d'enfants dans cette histoire. Alors, ça peut être aussi vous reconnecter à votre âme d'enfant. Prendre de la hauteur par rapport à des événements. Être dans la légèreté, dans la spontanéité. Sortir des sentiers battus, sortir des pensées limitantes. Bon, on vous dit, faites le premier pas. Alors, peut-être qu'il va falloir que vous vous exprimiez dans un choix à faire. On vous dit d'avoir confiance en la vie. De toute façon, vous allez être poussé, vous allez être extrêmement guidé, vous allez recevoir plein de signes. On vous dit, vos doutes ne sont pas fondés dans cette histoire. Donc, attention aux peurs et aux doutes qui ne seront pas de mise d'actualité dans cette relation. Bon, on vous parle d'âme sœur, flamme jumelle, donc d'une rencontre ou en tout cas de concrétisation dans des projets en commun, dans des projets à deux. Donc soit dans une relation existante, soit dans une nouvelle relation. Bon, oh là, pétard, on insiste. Vie en commun. Ça va bouger au niveau sentimental. C'est comme si ça allait se décanter d'un coup, là. Et en plus, on insiste, hein, rencontre par synchronicité. Donc, je pense que vous allez recevoir un coup de pouce de l'univers, là, au niveau sentimental, durant le mois de février, les scorpions. Vous pourriez être surpris, hein. On va compléter avec une ou deux cartes.
Alors, là, il y en a trop. Allez, on va le faire à la coupe. On vous parle de sortie. Vous allez sortir et vous changez les idées. On vous dit de prendre du temps pour vous, de profiter de la vie. On vous parle également de festivités, de vous retrouver avec des personnes que vous aimez. On vous dit quand même, attention à la jalousie, attention aux pensées destructrices. Alors, soit c'est vous qui avez le mental là, qui se fait des films, soit en fait, votre rayonnement, votre réussite, votre charisme en fait, va attirer de la jalousie autour de vous. Ok, donc quand même, faites attention. Préservez-vous. Et on vous dit, hein, on vous demande une maîtrise mentale. Parce que pour moi, là, ça va énormément bouger au niveau sentimental. Donc, attention à ne pas vous laisser empreinte au doute. Hein. Là, le mental, il va falloir être très centré sur vous durant le mois de février. Donc, peut-être que vous aurez à faire un choix entre deux personnes. Hein. Ou, si ce n'est qu'une personne, ça va tellement bouger que, waouh, vous allez vous dire, non mais attends, c'est trop beau pour être vrai là. Hein. Allez, on va prendre quelques cartes de l'oracle Divin Ange. On vous dit réessayer plus tard. Donc peut-être que pour moi, vous allez avoir des blocages, mais c'est surtout au niveau administratif, du travail, qu'il faudra faire attention. Donc si quelque chose ne marche pas à l'instant T, réessayez dans quelques temps. Moi, ce qu'on vous dit là, c'est quand même de persévérer, de ne pas abandonner votre idée ou votre projet. Bon, on vous dit bien, soyez attentifs aux signes. Ouvrez grand les yeux. Bon, on insiste. Faites-vous plaisir. Vraiment, profitez de la vie, les scorpions. Bon, je ne sais pas ce qui vous attend, mais on vous dit d'ouvrir les yeux. Donc, de vraiment être attentif. Attention aussi aux jalousies autour de vous. Parce que ce que vous allez dégager, ce qui vient à vous, en fait, va peut-être rendre certaines personnes jaloux et jalouses. Jalouses, pardon. Allez, on va terminer par un message des guidances étoilées. Alors, on vous parle du féminin sacré. On vous parle d'intuition, de reprendre votre pouvoir, d'être à l'écoute de vos sentiments, de vos émotions, de votre intériorité. Il est temps de te reconnecter à ton énergie féminine, à ta partie yin, à la sensibilité, à l'aspiration, à la créativité, à l'intuition et à la douceur. Donc vous allez rayonner les scorpions pour ce mois de février. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Croyez en vous. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.